Après-midi à Jean-Pierre. Président américain Barack Obama recevra président français à François Hollande dans la Maison Blanche jeudi à et au bain en conférence de presse conjoint. Envoyé l'ONU à Krikarabla, l'acte à Brahimi, faire connaître Chita Kosian, délégué gouvernement syrien à composition, difficile en pile et au pas fait en pile progrès. Et puis Haïti, deuxième phase de dialogue inter-haïtien commencé jeudi à avec présence président haïtien Michel Martelly. On a bien détail sous ça que t'es dit dans le journée ça, dans le journal. On a commencé avec une nouvelle concernant la visite du président français aux États-Unis, Jean-Pierre Loire. Eh bien, président américain Barack Obama chantait louange à l'alliance durable qui existait entre la France et les États-Unis. Dans un moment, l'État a accueilli président français François Hollande dans la Maison Blanche jeudi mardi. Monsieur Obama dit alliance qui m'a connu deux pays au plus solide et plus profond parce que j'en étais pendant 20 ans qui sont passés. Chita parlé qui déroulait jeudi en deux leaders qui couvrit dossier nucléaire Iran, la guerre syrienne et fort pour combattre terroristes sous continent africain, sans oublier question échange commercial, question économique et changement climat. M. Obama dit, négociation nucléaire avec Iran, c'est une négociation qui poil chita sous aide et effet. Il n'y a pas chita plutôt sous l'effet, M. Obama dit, n'a pas cité, moins pas quoi qu'est-ce que qui existait pendant la négociation, yo. C'est pour qu'on ait si oui ou non les États-Unis pour faire trop concession. Question, c'est plutôt pour qu'on ait si oui ou non Iran pour être capable de reconnaître l'opportunité pour le prouver dans une façon communauté internationale la qu'à vérifier et qu'il soit technique qui est capable de confirmer que des matchs nucléaires, yo, c'est des matchs pacifiques. Beaucoup de parle, président français François Hollande qui a réagi sous déclaration que M. Obama a fait jeudi mardi dans la Maison Blanche sous lien qui existait entre la France et les États-Unis dit c'est un rapport qui chita sur une histoire manche longue. Comme vous l'avez dit, une longue histoire nous rassemble. Elle ne nous a jamais séparés. Depuis Yorktown jusqu'aux plages de Normandie, chacun de nos deux pays sait ce qu'il doit à l'autre, c'est-à-dire sa liberté. Et la France et les États-Unis sont unis aujourd'hui encore pour faire prévaloir ces valeurs. Nous sommes ensemble pour combattre le terrorisme, ensemble pour répondre à la menace de la prolifération des armes nucléaires ou chimiques, ensemble pour résoudre les crises au Proche-Orient, ensemble pour trouver une solution en Syrie, ensemble pour le développement de l'Afrique, ensemble, toujours ensemble, pour lutter contre le réchauffement climatique. Déclaration président français à François Hollande qui trouvait ici à Washington dans le cadre d'une visite officielle et ce premier visite un chef d'État français a fait sous territoire américain depuis l'année 1996. Envoyé l'ONU avec Ligue Arabe, l'acte d'Abrahimi, fait qu'on ait un chita causé entre délégués gouvernement syrien à composition contre président Bachar al-Assad là, il est difficile en pile et il n'a pas fait en pile progrès. Réunion jeudi mardi à Genève, c'était deuxième journée dans une nouvelle série chita causé pour faire deux parties. Ils ont négocié, ils ont fait une bataille qu'a fait depuis trois l'année, établi un gouvernement transition. Dans une conférence pour la presse, M. Brahimi fait qu'on ait un parti à faire couillot qu'on ait pour faire négociation ou démarrer. Et il dit, faut que tous les deux camps collaborer sans oublier l'autre parti qui est impliqué. M. Brahimi a un plan rencontré vendredi ça avec sous-secrétaire d'État américain Wendy Sherman, avec vice-ministre affaires étrangères Rusla, Gennady Gatilov. Shirley Temple Black, qui était en main carrière actrice dans Hollywood pendant l'été de Simon toujours, mourit à l'âge 85 ans. Elle était en main carrière, lui, dans l'époque, gros dépression, financière, année 1930, et il était arrivé, créé, qu'est content, la carrière américaine, malgré problème, pays à traversé dans l'époque, ça. Shirley Temple Black, qui a décédé dans une mutuelle lundi, en bas cause naturelle, dans une résidence en privé, lui, qui tout prévu San Francisco, dans l'État Californie, d'après, ils ont communiqué, ma famille, publié. Shirley Temple, que monde te connaît plus bien, à cause cheveux bouc, clique t'es dans tête li et trou beauté li te gen bon figure t'es rivé charmé les États-Unis à cause talent chanté et danser monde te ka constaté nan pile film il te joué nan moment il était Simon toujours il devine tourner un symbole dans l'industrie cinéma américain à cause chanté on the good chip lollipop ak danse claquette li kon exécuté à gros danseur légendaire noir américain Bilbo Jingles nan film qui te relé The Little Colonel actrice Shirley Temple Black te recevoir un prix Oscar en 1935 pour qu'aucun contribution était portée dans l'industrie art et spectacle ici aux États-Unis. Actrice là a été prise en retraite en 1949 à l'âge 21 ans.
Dossier santé en Afghanistan a aussi fait 3 ans tourner premier monde docteur diagnostiqué avec maladie polio dans la capitale la Kaboul depuis qu'il a été renversé taliban sous pouvoir dans l'année 2001. Yon porte-parole ministère de la santé en Afghanistan fait qu'on est si fillette là cap vive n'a pas tiré Kaboul paralysé yon bon après le fin trappé maladie ça. Maladie polio, c'est une maladie qui est infectée en pile et li capable paralyser paralysie irréversible. Et Afghanistan, Pakistan, Nigeria, c'est seuls 3 pays côté maladie ça toujours présent. Polio t'est subi yon baisse en Afghanistan. Cependant, responsable médical yo t'est recensé 14 cas dans l'année 2013 là. Ministère de la Santé a fait qu'on est l'état en main une campagne vaccination dans la capitale là, une façon pour contrecarrer dernier cas maladie polio enregistré dans le pays. Dans les actualités internationales, l'autorité américaine qui a annoncé jeudi l'arrestation de 24 personnes après démantèlement d'un cartel drogue qui est associé à deux gros groupes mafia. Responsable qui baille détails sur l'opération infiltration dans une conférence en tête ensemble dans ville Rome, pays Italie, fait qu'on ait un nouveau réseau contrebandant et connecté à gros organisation Ndrangheta qui est basée dans Calabria, extrême sud-ouest péninsule italienne, avec famille crime organisée Gambino qui est établi dans New York lui-même. Alliance a été impliqué dans fait exportation cocaïne sorti dans l'Amérique du Sud pour aller ici, pour entrer ici aux États-Unis. On a arrêté eux tombé en bas organisation trafic drogue avec lien serré avec organisation mafia. Les États-Unis semblaient lis sur route pour éviter un nouveau bras de fer à la dernière minute sous question autorité administration américaine n'a gagné pour chercher l'argent prêté. Président Chambre des représentants, député républicain John Boehner, dit jeudi, il pourrait permettre un vote fait pour augmenter l'argent gouvernement capable prêter, qui donc gouvernement pourrait capable dépasser plafond dette 17 trillions 300 millions de dollars qui en vigueur journée jeudi, sans qu'un républicain n'a pas fait aucune exigence sur ça. Nouveau président de la Réserve fédérale des États-Unis, Janet Yellen, fait qu'on est un décideur politique américain, yo, bien capable, réduire appui direct, qu'on bat l'économie américaine, nan, moi, qu'a fini, yo, yon façon, pour pire économie mondiale, là, continuer, prendre j'arrête. Madame Yellen dit, jeudi, mandia, Banque Centrale, là, pral, continue, réduit, dans plusieurs milliards de dollars, les qu'on habitué dépenser pour acheter bon sous marché, cependant, il pas dit qu'il est, c'est après le fait. Réserve fédérale, là, déjà, réduit, achat 85 milliards de dollars, les qu'on a fait, dans sens, ça, pour mettre le coup, à 65 milliards de dollars kounia. Eh bien, c'était Transactualité internationale là, sur la Voix d'Amérique qui était branchée. Nous prenons tout de suite avec nouvelles concernant le pays d'Haïti. Ou même qui a fait des demandes visa, attention à moun qui a dit que vous avez aidé à joindre un visa. Ou qui a victime fraude, ça y aurait les raquettes. Et fraude, c'est un gros crime. Bayon concile faux documents. Ou soit document pas ça, ka fait que yo annule demande visa et ou ka pa jam ka aller aux États-Unis encore. Ambassade américaine pa gen relation spéciale ak aucun monde ou soit businessman ka ofri service dans affaire bay visa. C'est consul nan ambassade là seulement qui bay visa. Pa jam blie, li nan avantage pa ou pour bay vérité, les wap rempli formulaire yo. Et les wap parler avec consul. Ambassade là a travaillé ensemble avec la police, ensemble avec Archives nationales pour combattre fraude. Nous ka joindre bon document dans Archives avec l'autre bureau qui reconnaît pour ça. Si on moun di ou, li ka fè ou joindre un visa, ou doit faire nous compte ça sans perdre du temps. Mets adresse électronique côté ou ka écrit nous. PAP FRAUD@state.gov. Si vous voulez bonjour information sous affaire visa, ou abjoignez-ni sous site ambassade là, nan www.haiti.usembassy.gov.
Haïti, deuxième phase dialogue inter-haïtien, commencé jeudi à l'hôtel El Rancho dans Pétionville, côté 23 représentants partis politiques, après rencontrer avec le président haïtien Michel Martelly pour présenter l'accord qui a été joint dans la première phase dialogue là. Député Guy Gérard Georges, membre bloc parlementaire pour équilibre politique PEP, qui a participé comme observateur de la Voix de l'Amérique, dialogue là, après a poursuivi jusqu'à présent, sous choix entre un gouvernement ouverture ou soit un gouvernement de consensus. Député Georges, dis-nous comment la situation est jeudi. Non pas qu'au fini, parce que nous, la deuxième partie journée, à côté, à continuer avec discussion sur une thématique là, qui c'est bonne gouvernance, et surtout sous affaire du gouvernement qui est capable d'inspirer confiance. Nous songer, la chute attendait qu'il y ait gagné entre les parties, il y a gagné de l'idée, ou bien un gouvernement d'ouverture, ou bien un gouvernement de consensus. C'était mon troisième idée, c'est des partis qui eux-mêmes souhaitaient que gain confiance en un gouvernement cadre là pour faire élection, mais eux-mêmes n'ont pas besoin de participer. Et le gouvernement lui-même, la façon que le réagit, lui montrait que il n'y a pas vraiment de problème avec un gouvernement d'ouverture, contrairement à un gouvernement de consensus là. Mais je qu'on y a là, il est censé garder. Qui ça que Yota doit faire pour inspirer confiance? C'est ça à parler là. Qui est l'élément Yota doit travailler sur Yota pour être capable d'inspirer confiance à l'ensemble de la classe politique pour être capable de participer dans l'élection Yota pour être capable de sentir Yota à l'aise. Donc, discussion Yota censée continuer et c'est juste le Yota fini, mais Yota va arriver. La position côté pour le cardinal Langlois, lui-même capable de présenter Saint-Elle Junaire. Si nous comprenons bien, président Martelly est plus en faveur d'un gouvernement d'ouverture qu'un gouvernement de consensus. Alors, faut qu'on dise que Jean exécutif là et là, il n'a pas montré exactement la position du président de la République. Il était la position de l'exécutif. C'est la paix des fois, c'est une conseiller président Martelly. Qui parlait, mais qui parlait pour l'exécutif. Donc, parler directement, c'est la position purement et simplement du président de la République, c'est la position de l'exécutif que y a plus pour faire des ouvertures. Donc, et ouverture, ça y a, censé garder qui gens que y a même y a tatoué celle. Comme donc, position, ça, j'aime bien du avant, c'est pas tout. Partis qui retrouvent là-dedans par le simple fait que il y a des partis qui disent même s'il y a une ouverture, mais eux-mêmes n'ont pas souhaité participer en dans les affaires ouvertures. Là. Mais nous trouvons que première thématique, ça, même s'il y a des discussions là-dedans, mais les discussions n'ont pas monté là au niveau côté que il y a peut-être un peu le monde qui était pensé que depuis le premier jour là, à partir des affaires gouvernement, donc ton rang est capable tellement haut. Donc, t'es là, pas qu'on y chie. Donc, jusqu'à maintenant, bon, c'est que discussion, yo, a continué, et c'est sûr que, après-midi, donc, le cardinal Langlois a pris mesure pour lui-même, être capable de faire Saint-Elle Junaire. Est-ce que, présentement, il était présent, jeudi, dans l'ouverture deuxième phase dialogue? Jusqu'à maintenant, pendant qu'on a parlé à Volala, Martelly toujours là. Donc, il est toujours présent en dans salle là. Il a toujours présent pendant deux jours, ça, yo. Même si, des fois, lui parler, des fois, lui pas parler. Donc, c'est lui qui fait introduction pour vous exécutif là. Gagner des dispositions, c'est pas lui-même, c'est un membre de exécutif là qui parlait, donc, une non conseillère, mais lui-même présence constante au niveau de ça là. Et pendant deux jours, c'est consacré la pied parce que c'est lui-même qui censé contrôler l'exécutif là qu'on y a, donc la mission que l'exécutif a gagné, commission qu'il a, c'est lui-même qui a la tête, lui-même s'il est avec 6 dans le conseil. 23 moun kap négocié, 23 négociateurs, yo, est-ce que yo chaque souti en organisation ou bien parti politique? Et 23 négociateurs, yo souti à partir des partis politiques ou bien regroupements politiques. Donc, c'était trois caucus qui étaient bah, 23 négociateurs, ça, yo. Après 8 jours que médiatrice l'a fait, eh ben, lui-même, lui, tape travail sous trois thématiques qui étaient gouvernance, élection avec constitution. Donc, c'est l'ensemble des 52 partis qui étaient fait trois caucus divisés par plusieurs groupes.
ben, ils ont choisi 23 mounsaïs. Donc, ils ont pas sorti l'organisation, ils ont sorti plutôt à partir des partis ou bien regroupements politiques. La Voix d'Amérique Abdou, merci pour ensemble de précisions portées dans fin première journée, deuxième phase dialogue inter-haïtien. Moi, je vous remercie. Premier ministre haïtien Laurent Lamothe a mis sous pied un comité pilotage mixte qui prend le travail sur une campagne alphabétisation nationale. L'objectif programme alphabétisation.